Je suis désolé. Parce que même s'il y a des enfants, je sais pas, qu'on soit sur des gens qui sont en location ou qui ont acheté des biens financiers, je suis désolé. Je suis désolé. Un homme ou une femme a tout à fait le droit, à un moment donné de chemin de vie, de dire eh ben, moi j'en ai marre de ce taf, je suis pas bien et j'ai envie de changer. Mais tu vas avoir par exemple ce genre de nana, peu importe l'âge, qui ne le voit pas du tout pareil. Donc tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas ton mec ou ta nana. Parce que quand tu aimes ton mec ou ta nana, peu importe les charges que l'on a sur le dos, tu acceptes que ton homme ou ta femme, peu importe, hein, le papier pour moi c'est qu'un détail, c'est de la merde. Oui, c'est de la merde. Quand tu aimes réellement un homme ou une femme, tu le laisses faire ce qu'il a envie de sa vie. C'est-à-dire que si arrivé à un âge, il supporte plus, il a plus envie d'être dans tel emploi, eh ben tu lui dis, ben écoute, je fais autre chose. Eh ben si. Et quand tu as ce type de nana qui lui dit, ah non, mais moi, je t'avertis que si par exemple tu fais une reconversion ou vas-y. Et là, on est sur ce genre de nana qui doit travailler. Putain, soi-disant, elles aiment les gens, elles sont dans l'humanitaire. En général, c'est les métiers des soins. Ouais, les soins, les hôpitaux, les cliniques. Hein, voilà, il y a pour les jeunes et pour les vieux. Ah oui, eh ben oui. Hein. Et ce genre de nana qui me dégoûte au plus haut point, en général, travaille dans le milieu des personnes âgées et milieu de vie. Ah, elle me dégoûte. Ce genre de nana me dégoûte, mais elles me sortent des yeux. Et qu'elles n'ont aucune humanité au fond d'elles. Non, mais penses-tu? Ce genre de nana, moi, vous savez, hein, il y en a beaucoup, enfin, il y en a sur TikTok qui me connaissent pas, mais il y en a qui me connaissent et je dis les choses crûment. Il y a même des enfants, mais ce genre de nana n'aime même pas ses enfants et ne pense qu'à elle. Et moi, je, et moi, je. Et moi, je. Non, non. Et toi? Mais on n'en a rien à foutre de toi. On parle de ton mec ou de ta nana qui est en souffrance et qui est en. Il est malheureux. Il est malheureux dans sa vie. Dans sa vie professionnelle. Il va à la dégoûter. Est-ce que tu comprends? Ah ouais, mais c'est vrai. C'est vrai, le pognon. Ouais, parce que toi, tu as.